Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est le système circulatoire humain. Pour commencer, on va assombrir un peu les deux poumons qu'on a là derrière pour les faire ressortir. Donc ici, tu as le premier poumon, le deuxième poumon. Et tu peux remarquer que le cœur se situe entre ces deux poumons. Ce que nous allons voir, c'est justement le lien entre les poumons et le cœur. Dans les poumons, tu l'as peut-être vu dans les autres vidéos, il y a des petites alvéoles. Et c'est les alvéoles qui vont oxygéner le sang. Et les alvéoles, elles se trouvent au fond aux extrémités des bronchioles, qui se trouvent elles-mêmes aux extrémités des bronches, qui se trouvent connectées à la trachée, qui est connectée au larynx, qui est connectée au pharynx, et qui est connectée à ton nez et à ta bouche. Donc ça, c'est tout le parcours que va faire l'air pour atteindre les alvéoles et ainsi pouvoir oxygéner le sang. Du point de vue du cœur, on a donc le cœur, et le cœur, il va envoyer des tuyaux, donc une artère, jusque dans les poumons, et on a les artères qui vont se diviser en artérioles, qui vont se diviser en capillaires, et ces petits capillaires, donc ces petits vaisseaux sanguins, vont être tout proches des alvéoles et vont se frotter aux alvéoles et vont ainsi être oxygénés. Une fois oxygénés, ils vont repartir vers le cœur et ça se fait via des veines. On appelle ça les veines, les vaisseaux sanguins qui retournent vers le cœur. Donc on a une boucle avec d'abord une artère qui vient chercher l'oxygène. Une fois le sang oxygéné, le sang peut retourner dans le cœur. Donc voyons ce qui se passe de manière générale. On a de ce côté-ci, on a une veine. Cette veine, elle est bleue, et le bleu signifie désoxygéné. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'oxygène. Pourquoi ? Parce que les veines, ça veut dire qu'elles viennent de toutes les parties de notre corps et qu'elles retournent au cœur après avoir été dans toutes les parties du corps. Donc elles ont déjà disposé l'oxygène et là, quand elles viennent avec du dioxyde de carbone et retournent au cœur pour en fait être envoyées dans les poumons. Donc on a notre sang qui arrive par ces veines, la veine cave supérieure et la veine cave inférieure, et arrive dans l'atrium droit. Pourquoi droit ? Eh bien parce que on prend la perspective de notre personnage ici, notre personnage qui donc a son côté droit de ce côté-ci et son côté gauche de ce côté-ci. Donc ceci c'est l'atrium droit. L'atrium droit qui reçoit donc les deux veines. Ensuite, le sang, il est attiré par le ventricule droit, ici, grâce au pompage. Donc, c'est le ventricule qui va pomper le sang. C'est son rôle. Donc, le ventricule pompe le sang pour attirer le sang jusqu'à lui et puis le renvoyer dans l'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire que tu vois ici. Elle est toujours bleue. Elle est bleue comme les veines ici. Pourquoi ? Parce que le sang est toujours désoxygéné. On ne l'a pas encore oxygéné. Donc, l'artère pulmonaire est désoxygéné et est bleu. Et il est ensuite oxygéné grâce aux alvéoles. Et on a ensuite cette couleur rouge qui correspond à la veine pulmonaire. La veine pulmonaire. Donc on va écrire, on a donc cette circulation pulmonaire ici, c'est la circulation pulmonaire. La particularité, c'est qu'on a que l'artère est désoxygénée. Et la veine est oxygénée. Et donc ça, c'est particulier à la circulation pulmonaire, puisque la circulation systémique, c'est le contraire. On a les veines qui sont désoxygénées et qui reviennent au corps pour être réoxygénées. Et par contre, les artères de la circulation systémique sont bien oxygénées, puisqu'elles vont apporter au reste du corps l'oxygène. Ok, donc revenons à notre circuit. Le sang est donc arrivé de la veine dans l'atrium droit, puis dans le ventricule droit, et a été envoyé dans les poumons par nos artères pulmonaires, et puis a été oxygéné par les alvéoles, et est maintenant de retour dans le cœur grâce à la veine pulmonaire qui se trouve ici. Il retourne dans le cœur, et cette fois, il entre par l'atrium gauche. Donc atrium, on peut aussi dire oreillette en français. C'est deux termes utilisés. Donc par l'atrium gauche qu'on a ici. De nouveau, on a notre ventricule gauche qui va pomper le sang et puis le renvoyer à travers notre artère principale ici qui s'appelle l'aorte au reste du corps pour oxygéner toutes les cellules du corps. Voyons maintenant voir tout ça un peu plus en détail. Donc ici, on a un zoom sur notre cœur.
on va renoter nos éléments. Ici, on a bien la veine cave supérieure qui apporte le sang depuis le reste du corps, avec également la veine cave inférieure. La veine cave supérieure, elle amène le sang qui vient de la tête et des bras. La veine cave inférieure, elle amène le sang qui vient de l'abdomen, des jambes, etc. Donc, on a notre sang qui arrive désoxygéné par les veines caves supérieures et inférieures et arrive de nouveau dans l'atrium droit. Donc, l'atrium, visuellement, c'est un peu comme une petite pièce avec une lucarne et à la place d'avoir la lumière du soleil qui entrerait par cette petite lucarne par le haut, on a le sang. Pour se donner une image. Okay, donc on a cet atrium et le ventricule droit qui va pomper le sang. Donc le sang va être passivement amené jusque ventricule droit. Ce qui se passe, c'est que le ventricule va pomper, relâcher, créer ainsi du vide et attirer ainsi plus de sang dans le ventricule. Et là, on a les petites valves qui vont s'ouvrir et permettre au sang de couler. Une fois dans le ventricule va de nouveau pomper et réenvoyer le sang à travers cette artère pulmonaire. Donc tu peux imaginer ici, si ce n'est pas à l'échelle, ce n'est pas les bonnes proportions, mais on imagine nos deux poumons juste ici, et notre sang va être envoyé donc dans les deux poumons. Une fois dans les poumons, comme on a vu, comme on en a discuté, il va être oxygéné par les alvéoles. Une fois oxygéné, le sang va pouvoir revenir au cœur grâce à la veine pulmonaire qui est ici, les deux veines là, et arriver dans l'atrium gauche. De nouveau, on a notre petite lucarne en hauteur dans l'atrium et le sang va pouvoir s'écouler passivement jusque dans le ventricule gauche qui fait la pompe, qui va pomper de nouveau le sang. Le sang va être pompé et va être renvoyé dans le reste du corps par l'aorte. L'aorte qui est donc l'artère principale de notre circulation systémique. Donc ce que tu peux remarquer, c'est qu'on va parler d'artère quand c'est pour transporter le sang du cœur vers d'autres parties du corps. Donc on parle d'artère pulmonaire pour envoyer le sang vers les poumons et on parle d'artère de l'aorte pour envoyer le sang dans le reste du corps. Par contre, on va parler de veine pour envoyer le sang vers le cœur. Donc on a la veine cave inférieure, la veine cave supérieure qui nous ramène au cœur depuis le reste du corps et on a les veines pulmonaires qui nous ramènent au cœur depuis les poumons. Mais par contre, on a que les veines cave inférieure et supérieure sont des veines désoxygénées. Elles vont vers le cœur pour être réoxygénées et renvoyées vers les poumons, tandis que les veines pulmonaires sont-elles oxygénées, puisqu'elles viennent des poumons, elles ont été oxygénées dans les poumons et sont maintenant envoyées au cœur pour être envoyées dans le reste du corps. Et à l'inverse, les artères pulmonaires sont-elles désoxygénées, alors que les autres artères non pulmonaires sont-elles oxygénées, puisqu'elles vont apporter le sang, l'oxygène au reste du corps. Tout ceci est donc notre boucle d'oxygénation. Retournons maintenant à ce premier schéma, et je pense que maintenant tu as assez bien compris comment fonctionne le cœur. Regardons un peu le reste du corps, juste pour avoir une idée de ce qu'il se passe. Donc tu peux observer qu'ici on voit plein de veines et plein d'artères un peu partout, et en fait ce qui se passe c'est que dans cette zone-ci, on a la première branche de notre artère de l'aorte, et cette première branche, ça s'appelle le tronc cœliaque. Donc, c'est notre artère qui se divise en différentes branches et on a donc le tronc cœliaque qui va amener le sang à plein de parties qui se trouvent ici, à plein d'organes qui se trouvent dans cette zone-ci, notamment le foie. On peut dessiner le foie. On a le foie, juste ici, et donc le tronc cœliaque va se diviser de nouveau en plusieurs artères, dont l'artère hépatique. Hépatique, ça fait donc référence au foie, justement. Et en d'autres artères qui vont amener le sang oxygéné à l'estomac, par exemple, à tous les organes qui se trouvent dans cette zone-là. Donc, on va avoir notre artère hépatique qui va amener notre sang oxygéné au foie, et on va avoir également une veine qui va ramener le sang désoxygéné et les déchets du foie, et les ramener vers le cœur pour être réoxygéné et évacuer le dioxyde de carbone. Et donc,
Donc, c'est très intéressant de voir comment tout est connecté ensemble et comment toute cette circulation permet d'oxygéner, d'apporter les nutriments nécessaires à la bonne vie de toutes nos cellules et donc à notre bon fonctionnement humain.